Madame les Beurek, j'espère que vous allez tous très bien. Trêve de mystère, voilà, après ma petite publication mystère d'hier au soir. Nous voilà dans le vif du sujet, voilà, il y en aura quelques-uns qu'on va peut-être trouver. Déjà sur la miniature, on va dire quel jour c'est. C'est un joueur du Football Club Limonest Saint-Didier. L'arrière latéral droit, Teddy Garcin. Voilà, déjà pour commencer, et il y aura bien un lien avec la Coupe de France. Donc on va parler, oui, de Limonest, mais aussi de tous les autres clubs de Coupe de France. Vous voyez... je ne sais pas où ça sera, en haut, à côté, etc. Le tout nouveau format de la Coupe de France pour, voilà, à cause du Covid. Donc on va voir tout de suite notre plan. En premier, on va voir la voie Ligue 1, puisqu'il y aura deux voies et Ligue 2. La voie amateur en deuxième, en troisième, réunification. Et puis à chaque fois, on fera des points pour nos deux équipes, notre club partenaire Limonest et notre équipe de cœur pour les clubs professionnels, l'Olympique Lyonnais. Voilà, je trouvais intéressant de faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes se posaient des questions et donc voilà. Alors, pour les clubs professionnels, voilà, le calendrier des tours, donc le 8e tour s'est déroulé mardi et mercredi dernier. On verra le tableau du coup des 32e, il y a deux finales qui se dérouleront pour les clubs professionnels hors national. Une, je dis bien, puisque certains clubs de National 1 sont professionnels, mais ne verront la voie amateur. Donc ça sera pour les 32e, le 9 et 10 février prochain pour les clubs professionnels. Donc voilà, les affiches de ces 32e de finale, voie Ligue 1, Ligue 2, Racing Club de Strasbourg, Alsace, Montpellier, un premier choc 100% Ligue 1, Sochaux, Saint-Etienne, Auxerre, Marseille, Lorient, Paris Football Club, Stade Malherbe de Caen, Paris Saint-Germain... Un beau match pour les Nantais, les Canets à Dornano, l'ancien pensionnaire de Ligue 1. Nantes lance pour un deuxième match 100% Ligue 1. Amiens, Metz, Stade de Reims, Valenciennes, Dijon, Lille pour un troisième choc 100% Ligue 1. Bordeaux, Toulouse, bref, pour le derby de la Gironde, voilà un très beau match. Brest, Rodez, Angers, Rennes, encore un match 100% Ligue 1. Grenoble, Monaco, Lyon, voilà notre club de cœur face à l'AC Ajax. Il y aura bien évidemment le débrief de l'Olympique Lyonnais, on espère une demi-finale comme la saison passée, voir le Stade de France. Ça fait deux fois qu'on va en demi-finale, deux fois que la team José est au Groupama Stadium à chaque fois pour ces événements, deux fois qu'on perd, il y en a ras-le-bol. Voilà, il va falloir gagner ces demi-finales et aller au Stade de France, et pourquoi pas soulever la coupe. Voilà, Nîmes, Nice, voilà, pour encore un choc 100% Ligue 1. Donc des belles affiches pour les clubs Ligue 1, Ligue 2, ça va faire des beaux matchs. Voilà, à suivre sur Eurosport et France Télévisions. Malheureusement, il n'y aura plus notre Gérard Rouillet national dans ce soir de coupe, qu'il repose en paix, voilà, qui nous a quitté il y a quelques temps de ça. Voilà, il ne pourra pas y être, mais on retrouvera de toute façon les habitués mis à part lui, malheureusement. Le calendrier des tours amateurs, la voie des amateurs, 6e tour pour ceux et les matchs qui n'ont pas pu être joués. C'est le cas de notre club partenaire Limonest, on en reviendra plus tard, le samedi 30 et 31 janvier, dimanche 31 janvier, le 7e tour le 6 et 7 février, le 8e tour le 13 et 14 février, et le 32e de finale le 20 et 21 février. A noter, j'avais oublié de le dire, qu'il n'y a plus de prolongation en Coupe de France, c'est directement tir au but. Donc, voilà, ce qui va nous intéresser, c'est le tableau de... Limonest, donc Limonest qui devait jouer son 6e tour face à Salaise Roda, un club de R1, leader de R1, de son groupe de R1. Ça va être un match très compliqué, j'ai pu en discuter avec le coach de Limonest, Nico Pinard, à qui je passe le bonjour. Et donc à toute l'équipe aussi du SLESD, à toute l'institution, tous les joueurs, etc., à qui je passe le bonjour, voilà. Ça va être un très beau match, je ne sais pas si on va pouvoir aller voir le match, si vous pourrez avoir la vidéo sur le terrain, on en parle juste après. Mais ça risque d'être très compliqué. Déjà face à Neuville, il n'y avait pas eu de vidéo, mais j'avais pu assister au match en tant que photographe du club. J'ai cru que Limonest passait à la trappe. Voilà, après deux beaux parcours, deux années d'affilée, un 32e et un 8e de finale, j'ai cru qu'on passait à la trappe, mais on n'est pas passé à la trappe, heureusement. Pour notre voisin, on va parler aussi de Chasselet, Champagne et Tassin et comment ça s'appelle, et Hans qui jouera contre Evian Thonon Gaillard, enfin l'ancienne équipe d'Evian Thonon Gaillard, le Thonon Evian Football Club. Très beau match pour nos voisins du département, voilà, nos voisins du canton, on va dire ça comme ça, voilà, un très beau match, les deux affiches qui vont m'intéresser pour ma part pour la voie amateur.
Donc, le protocole de reprise, on va en parler. La FFF a précisé que seuls les clubs amateurs engagés dans la 104e Coupe de France sont autorisés à reprendre les entraînements collectifs et la compétition à ce stade. Bon, on savait que les clubs ils pouvaient reprendre l'entraînement individuel. C'est ce qu'avait fait Limonest, si je dis pas de bêtises. Bon, ces clubs-là qui ont pu faire ça ont été avantagés, mais voilà, attention, mais bon, il y aura respect, on verra tout ça pour le couvre-feu, etc. Le protocole, la suite, tous les matchs à huis clos, donc sans supporters malheureusement. Tous les matchs seront fixés en début d'après-midi pour respecter le couvre-feu, test PCR 2 à 3 jours avant le match et antigénique le jour du match seront obligatoires. Lien étroit avec l'agence régionale de santé et le respect de leurs recommandations. C'est du copier-coller de la FFF, je tiens à vous le dire, comme ça c'est sûr, j'ai rien changé du tout. Le protocole de reprise, référent Covid dans chaque club, présence d'un médecin jour de match pour contrôler les tests PCR négatifs, limitation stricte des accréditations aux personnes ayant une fonction opérationnelle essentielle à l'organisation du match. Renforcement des dispositifs d'hygiène individuelle et collectif. Donc voilà, voilà pourquoi je dis, je ne sais pas si on va pouvoir avoir le droit à accès au stade. Bon, peut-être en tant que photographe, j'y aurai le droit, mais c'est pas sûr, je me suis renseigné. Limonest va se renseigner si j'ai le droit à mon accréditation et puis voir si on peut faire les vidéos et tout. Ça serait exceptionnel de pouvoir le faire quand même, de pouvoir vous le proposer. Autrement, si les matchs sont télévisés, bah, à partir, à mon avis, des 32e ou des 16e, ça sera vidéo débrief. Voilà. Malheureusement, mais on espère pouvoir y être et voilà, et pouvoir être sur le terrain, enfin au bord du terrain et voir ce match. Voilà, la team José, retour à la Coupe de France. Une très belle Coupe de France en perspective. On espère une finale. J'en rêve depuis tout petit. Lyon-Limonest au Stade de France. Voilà, j'aimerais, je rêverais. Bah, bien évidemment, mon cœur serait divisé en deux. Je serais un peu pour Limonest parce que c'est la plus petite équipe. Mais voilà, je serais quand même content si c'est l'OL qui remporte le match. Voilà, ce serait super. J'en rêve qu'il puisse avoir des supporters au Stade de France. Parce que je ferai le déplacement, ça c'est sûr. Après réunification des clubs pro et amateurs, les 16e de finale le 6 et 7 mars, le 8e de finale le 7 avril, quart de finale le 21 avril, demi-finale 12 mai. Et la finale au Stade de France le 19 mai prochain. Voilà pour cette Coupe de France. Voilà. Allez, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, comme j'ai dit, je passe le bonjour à tous mes amis limonois du football club Limonest Saint-Didier et des Idériens. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir tous se revoir et tous refaire la fête comme on avait pu le faire pour cette Coupe de France 2019-2020, la 103e où on était le petit pousset. 104e, on espère être de nouveau le petit pousset. Allez, je vous dis Kishel Pali, à la prochaine. Salut les amis.